Bonjour, bonsoir la famille, bienvenue tout le monde. C'est un grand plaisir pour m'avec nous aujourd'hui vendredi 17 mars, une émission panoua qui parle de mon éditorial avec Yannick. Décidément, autorité dans la Coupe pays d'Haïti mettez avec madame Hélène Lalime qui dans tête minute, yo font faisceau là contre communauté internationale là. Ministre des Affaires étrangères là, Jean-Victor Généus, lui font déclaration. Et déclaration ça fait un peu le monde saisie. Pour un nèg qui toujours a fait et a fait lobby, a fait plaidoyer pour une intervention militaire en Haïti, pas un monde qui t'a pas attendre que Jean-Victor Généus li t'a pral fait déclaration ça. Et bien rete là m'bral barou tout détail yo nan yon ti moment. Madame Irlande Hippolyte Maniga qui nan tête HCTA au conseil transition, mes amis, li passé nan dernière réunion que ou a t'a organisé. Eh bien, madame, non, mettez pouvoir Ariel Henry, un petit genre nu, ok? Il presque mettait Ariel Henry tout ou ni. Et bagay ça, c'est gros parler en pile parce que ACT fin monté, par un yota qui débloqué pour permettre que Mambio commence à travailler. Là, nous pral expliquer qui ça en jeu. Yo, yo pral comprendre plus bien, est-ce que c'est volonté qui pa gen pa bon côté acteur yo pour résoudre crise ou bien c'est seulement temps y a fait passer pas aucune nécessité, pas aucune nécessité pour résoudre crise, y a fait temps passer, fait l'argent, fait corruption et puis quitter nous dans insécurité, quitter nous dans misère, nous la donne là. Invitez-nous pour aujourd'hui dans espace libre opinion. C'est professeur Sterling Civil, femme politique, qui c'est également secrétaire général parti politique aider les engagés pour le développement d'Haïti. Avec lui, nous allons parler de rôle femme, la femme comme vecteur du changement de la politique en Haïti. Nous allons parler de participation femme dans la politique et également tout nous allons parler de implication femme dans la politique, qui ça qui mérite fait, qui ça qui t'a fait et qui travaille, qui démarche qu'a fait là surtout dans le mouvement femme aidé, yon mouvement et que yo t'ai commencé avec le 8 mars qui s'est passé à là dans l'occasion et journée internationale de la femme. Et le mouvement est lancé, nous allons regarder ensemble dans qui point mouvement y est, qui ça cap régler pour permettre intégration femme dans la politique pays. Déjà, m'a souhaité nous une très bonne émission, partager émission, partager vidéo, si vous pouvez abonner, m'a invité à abonner, activer la cloche notification et comme ça, ou pas rater aucune vidéo n'a gagné pour nous poster. Mais bien avant, mes amis, et gagné yon nouvelle bon information qui tombe depuis hier après-midi, yon paquet parlé en pile ka fait dans dossier assassinat président Jovenel Moïse. Gagné yon juge fédéral dans Miami qui émet une ordonnance côté que li mandé à tout avocat défenseur pour yon pas partager aucun matériel, pour yon pas partager aucune information qui gagne pour avec dossier assassinat président Jovenel Moïse. C'est seulement si yon gagne information pour yon partager, c'est partager information ça avec client yo, partager information ça avec mob cabinet yo, moun qui a travaillé sous dossier avec yo, yo pa gen pour partager information ni avec famille victime yo, yo pa gen pour partager information avec aucun autre étranger. Ça veut dire avec aucun autre avocat que et accusé ou ta gagné en Haïti là pa gen bagaille comme ça. OK, tout ça qui fait dans dossier assassinat président Jovenel Moïse, li supposé rester de manière fermée, li supposé centraliser dans ça qui gen pour avec et pays États-Unis avec gouvernement américain. Et depuis là, il y a pile question qu'a poser sur dossier pour qu'on ait et qui ça États-Unis a fait dans dossier président Jovenel Moïse là. Est-ce que c'est en façon où il y a cherché et pour y cacher vérité? Est-ce que c'est une façon par y pour y empêcher que lumière fait sous dossier, malgré que y a montré y a une volonté pour y aider résoudre et pour y faire lumière sur assassinat président? Mais en Haïti, nous connaissons un juge d'instruction qui sous dossier. Un juge d'instruction qui a enquêté. Et dans la façon que le dossier assassinat président Jovenel Moïse a parlé en Haïti là, l'un a gardé réalité en vraiment.
gen des séries de monde qui impliqué dans tout le président Jovenel Moïse et qui gen non yo a cité dans dossier assassinat président Jovenel Moïse. Là par exemple le cas et de l'actuel premier ministre Ariel Henry, mais relation lien avec Badjo Félix, yon a présumé autant intellectuel assassinat président Jovenel Moïse, yon a présumé moun ki te chita, te planifié, te commandité assassinat président. Mais écoute, lumière pas jamais fait, non sous lien, sous connexité que t'as gagné entre Badjo Félix avec avec premier ministre Ariel Henry. Rien pas jamais dit. Donc quelque part en Haïti, nous vins senti gen un blocage à l'interne qu'a fait dans dossier président Jovenel Moïse. Et kounye a, le fait que gen avocat en Haïti qui au même qui t'a travaillé avec des accusés, qui t'a travaillé avec l'autre monde et gon juge instruction sur dossier, le fait que et ordonnance ça gen restriction ça qui mettait gen interdiction pour pas gen partage d'information qui fait, yeah, nous vins sensé bail on paquet l'autre monde qui t'a dit que États-Unis et c'est pas rien à régler dans dossier président Jovenel là, c'est temps y a fait passer, etc. Là, gen moun qui presque bail raison. Gen moun qui presque bail raison par rapport avec décision et nous pas oublier à un certain moment, t'es gagné et décision qui te prend toute preuve qui concerne assassinat président Jovenel Moïse, y a prêté Chloé cacheté, etc. Yo pas public. Donc par rapport avec situation ça, par rapport avec genre de décision ça qu'a prend par bon côté le gouvernement américain, que faut-il espérer? Dans dossier assassinat président Jovenel Moïse, que faut-il vraiment espérer? Eh bien, nous-mêmes qui ça nous espérer, nous espérer lumière en fait sous dossier. Nous espérer tout le monde qui est impliqué dans tout le président Jovenel Moïse, tout le monde qui à un niveau ou à un autre qui participait, soit en financer, dans commandité, dans planifier, dans parler, dans bailler conseil, etc. À n'importe qui niveau, à n'importe qui échelle ou participer dans complot, pour la justice servir nous-mêmes. Oui, pour le mieux en fait, moun ki mérite pour yo mare yo, moun ki mérite pour si la justice pas joine des éléments à charge contre l'autre des séries de moun qui ont même arrêté, etc. Si est libéré, a libéré, ok, libéré. Donc, nous comprenons. Donc, nous l'attendons et nous vraiment focus sur le assassinat président. Parce que nous arrivons dans ce pays, nous arrivons là, nous pas cap tolérer que pour ne pas prendre pouvoir, pour ne pas gérer pouvoir, c'est assassinat, c'est tout le président. Alors que il y a élection, il y a possibilité pour aller à l'élection, il y a possibilité pour peut-être être candidat aux élections. Mais yo tellement konnen, yo pa gen aucun programme, yo tellement konnen, yo pa préparé terrain, yo tellement konnen, yo pa gen vision, yo pa gen idéal vraiment pour pays. Et puis yo toujours centralisé dans l'opposition. Depou un nèg ici, très certainement pile nan yo, c'est pas tout, mais en pile la bolotio politique depou wè. Yo pa paré pour yo aller en élection, yo pa paré pour yo former des cadres, pour yo faire ça qui rele un parti politique côté que gon relève, côté que et gon dynamique en dedans structure politique là, m'bon garanti. Y a opposant politique, yo a gros manifestant, yo pa jamais quitter pays à marcher et qu'on y a formule yo vini avec c'est leur bouquet. Fait tentative coup d'état pas marcher, qu'on y a c'est assassinat yo planifié pour yo touyer président, pour yo capre pouvoir. Par rapport avec dossier assassinat président, depuis le fin assassiné président Jovenel Moïse 20 mois après, nous voyons dans qui ça paye en on instabilité, nous voyons c'est insécurité capitale et mandat et gouvernement qui là y a pas jamais vraiment qu'à résoudre crise. Est-ce que c'est manque de volonté, est-ce que c'est manque de moyens, est-ce que c'est manque de capacité, est-ce que c'est manque d'expertise qui gagne? Seulement nous toutes là n'a constaté les dégâts et gagné de cela 4 à 6 mois que et pouvoir y aller rien yo sollicité international là pour yo faire intervention militaire en Haïti, tantôt dossier en dedans Conseil de sécurité Nations Unies, tantôt là dans OEA, dans CARICOM, etc. parce que c'est là il fait va et vient ça et là, mais pas jamais vraiment une décision qui prend. Et bien là gagné un tweet que Premier ministre canadien Justin Trudeau fait, il parlait encore une fois sur le dossier Haïti. Qui ça dit? Premier ministre canadien Justin Trudeau, il a affirmé que Haïti pas besoin d'intervention étrangère.
Premier ministre li déclaré yon intervention extérieure li pap conduit pays à stabilité sur le long terme. C'est pas blanc vini, c'est pas chita tan blanc vini résoudre problème pour qui pral mettre en stabilité en dedans pays en tout bon. Nous gen un problème à l'interne parce que différents acteurs yo ki la, nèg sa yo c'est pas moun ki croit dans pouvoir démocratique, c'est pas moun ki croit dans élection. C'est pas mon acteur yo majorité là-dedans yo. C'est pas moun ki croit que c'est par élection pour yo prendre pouvoir. C'est pas moun ki gon agenda politique ki croit dans restructuration l'état, dans redynamisation l'état. C'est pas moun ki croit que administration publique là, c'est avec moyens et avec expertise li ka fait. Oui, c'est vrai qu'il y a des moun ki compétent, il y a des moun ki qualifié dedans l'état, mais l'homme un système côté que majorité moun yo, c'est pas moun ki croit dans solution, c'est pas moun ki croit dans pays vraiment, mais plutôt c'est moun ki vinn plein poche yo, c'est moun ki vinn joui privilège, c'est moun ki seulement ouais côté joui sif l'état, ba yo machine service de l'état, ba yo machine officielle, ba yo carte téléphone, ba yo fiche gaz, ba yo perdiem, etc. Yo seulement contenté yo de statut ça, de privilège ça yo, yo seulement ouais aspect sif là qui te mêlé yo, qui te mêlé yo malheureux malheureux pas ka vivre d'ailleurs toujours dou malheureux malheureux pas nan fête. Et je dis en là nous nan fête sous président Jovenel Moïse, ça c'était discours. Ça c'était discours en paquet amateur pour montrer que c'est président Jovenel Moïse qui était problème là. Et je dis, qui est-ce qui problème là? Qui est-ce qui problème là? Tout ça, il faut que nous poser vraiment, faut que nous poser problème ça. Il faut que nous retourner sur ensemble de discours que acteur yo qu'on fait. Parce que même moun sa yo qui t'a promet nous mon merveille qui t'a fait nous croire que il y a possibilité pour Haïti changer si président Jovenel Moïse pas là, il y a possibilité pour pays en rejoindre stabilité si président Jovenel Moïse pas là. Jodi an au timon des affaires mais rien n'est fait, pas grand rien fait pour pays non. Pas grand rien fait pour pays, au contraire, même oligarque sa yo, même communauté internationale disons que yo tape yo tape yo t'a dénoncé, yo t'a dit qui vraiment intrusive, qui a fourré bouche dans poser pays, qui a crasé pays, qui a pris décision etc. Mais c'est même yo même y a demandé, c'est même États-Unis, Canada y a demandé vini aider nous, vini faire intervention militaire en Haïti. Mais l'autre des modèles déclaration que premier ministre Trudeau fait côté que li dou que Haïti pas besoin d'intervention militaire, intervention pas résoudre rien vraiment à long terme. Mais c'est vrai. Si problème non c'est haïtien avant tout qui crée le comment pral mande les blancs, OK le blanc aller n'a pas tourné à la case départ, n'a pas tourné à la case départ. Ça yo faut que nous résoudre problème ça yo, faut que nous vraiment résoudre problème ça yo pour nous espérer on aller mieux. Moi dis dans commencement vidéo que gay ministre affaires étrangères Jean-Victor Genius qui font déclaration qui vraiment étonné en pile monde. Qui est étonné en plus parce que d'habitude Jean-Victor Genius moun sa yo l'autre de yo aller dans dans réunion internationale yo dans sommet yo le yo al parler al porter dossier Haïti en devant blanc yo vraiment un comportement côté que yo toujours et la tête baissée pour y ap di blanc venez de nous pas capable encore venez mais écoute kounye a on dirait que yo passé à vitesse supérieure là yo tellement ouais yo parlé rien pas fait. Eh bien Jean-Victor Genius pendant le t'al participer dans dernière réunion qui était faite mercredi et où il a été organisé, eh bien il fait connait que le temps est venu pour les actes pas pour les paroles. Question parler mettre là nous bouquer avec lui kounye a c'est autorité en Haïti yo cap tracer ligne là cap dicter les grandes lignes yo bouquer parler hein. Premier ministre Ariel Henry sont-ils bouquer parler là fòk blanc yo débarqué fòk Canada voye force d'intervention vini etc. pour venir régulariser situation bien venir mettre sécurité parce que c'est ça yo quoi. Mais m'a toujours dit c'est pas chablende. C'est pas gros fusil d'assaut, c'est pas ça qui pral résoudre crise. Crise nous gen là, son crise qui profonde liée. Crise nous gen là, c'est pas on bon matin nous lever, nous jwenn nèg exam et nèg yo gen exam nan men, ou bandi yo gen exam nan men. Donc hier tout monde tout côté passé sur réseau, c'est photo ISO qui sa cagoule on a partagé. Ça on pas rendre compte, n'a cherché photo ISO parce que la musique sur YouTube sa cagoule. Yoshita, yo gen tan bay yon paquet views avec al chercher photo, al play vidéo pour faire screenshot pour prendre photo. Mais ça servi nous avec qui ça?
Nous pensons aujourd'hui là si vous voulez résoudre problème ISO, c'est cagoule là que t'as fait au pas joindre ISO dans village. C'est cagoule là que t'as fait au pas joindre ISO pour yo marrer, pour yo stopper etc. Nous pensons ça mais non. Ça c'est naïveté, faut que nous retirer côté naïve là, faut que nous retirer naïveté ça dans nous et à chaque fois nous agir comme ça, nous bail nèg ça yo, nous bail autorité ça yo possibilité pour yo mettre pied sous nous davantage. Parce que yo ouais c'est bagaille sensationnel ça yo, c'est bagaille ça yo qui intéresse nous. Donc il y a toujours continuer dans logique ça, ba nous créer, comprendre, créer affaire dans affaire là, ba nous diversion, faire diversion pour nous, ba nous de quoi pour amuser la galerie. Et puis vrai problème fondamental yo a toujours été là. Il a toujours été là. Combien de nèg avec cap théoriser population, cap faire corruption, cap craser l'état. Nous pas connait yo qui ça nous jamais fait. Donc il y a son cagoule qui t'a empêché rejoindre l'ISO. En nous sérieux. Eh bien mes amis, dans moment là la primature dans moment là et ministère affaires étrangères Jean-Victor Généus y a tant pour blanc vini de yo suspend parler mais agir est-ce que très certainement il pral gagner une intervention noue Canada dit non malgré gagne certaines consistances par côté autorité jamaïcaine yo à chaque instant yo renouveler bonne volonté bonne foi yo gagne pour yo aider Haïti mais semaine qui s'est passée à là, yo sot décrété un état d'urgence dans pays, yo état d'urgence sécuritaire pour aller combattre gang bandi dans deux régions quoi. Il a caille pas aucun problème, mais yo montré yo gen bonne foi, bonne volonté pour aider Haïti résoudre balle. Donc n'a pas comprendre que si nous pas choisi mettre tout différent tout problème nous gen de côté pour nous résoudre problème pays hein, l'a dur pour nous garder dans 5 ans dans 10 ans des séries de ti moun journée jodi an a ti moun jodi grand moun demain mais là m'pa ouais ça n'a pas construit là m'pa ouais qui modèle grand moun n'a pas construit là parce que ti moun ça qui là nous pas préparé aucun demain pour yo nous pas préparé rien pour yo de constructif et bon dossier HCT qui concernait Merland Hippolyte Maniga. Eh bien, toujours dans réunion EA, Madame Maniga lui fait connaître que HCT a pas de moyens à la disposition yo pour yo commencer travailler. C'est très regrettable. Yo gen volonté pour yo travailler, yo gen expertise pour yo travailler, yo montré yo gen bonne foi pour yo aider pays, mais pas de moyens à la disposition yo. Pas gen l'argent qui disponible si yo ta vle consulter des experts pour yo ta di yo pral les monter des groupes de travail sur sécurité hein? Pas gen l'argent disponible donc si on a consi 21 décembre pour nous dire que nous pral chercher entente nous pral chercher c'est nous pral faire consensus nous pral n'a monter un bagage qui ca permettre que nous résoudre problème qui gen la crise politique là nous monter en conseil de transition. Mais si vraiment objectif là c'était rivé créer un bagage qui t'ca abouti à stabilité qui t'ca et permettre que gien travail qui fait gien étude qui fait sous problème sécurité dans vivant dedans pays étude qui fait et sous différents autres problèmes structurels qui gien ben c'est la meilleure des choses c'était qu'à mettre fonds disponibles mais sous pas faire c'est d'où dit à c'était à craser c'est d'où dit tout le monde qui n'a c'était à mettez nous là comme zombies mettez nous là comme comme marionnettes déguiser nous sur un label HCT, mais nous pas rien pour nous faire. N'a fait en passer montrer international dans gobaye qui t'a fait, montrer tes bonnes volontés puis rien pas régler. T'a passé depuis 21 décembre, je dis en combien 17 mars. Li pral gagner décembre, janvier, février, mars, il pral gagner 3 mois. 3 mois depuis yo prend décision pour créer organe là. Mais qui ça régler? Rien pas régler, rien pas régler. Donc là, noir sur blanc, pas une volonté par vos côtés, actuel gouvernement, ça qui là, pour résoudre rien comme crise. Donc là, sous pas une nécessité toujours comme haïtien. Sous pas une nécessité comme moun qui a vécu une sécurité à chaque jour. Comme moun, l'État, autorité, l'État, y a tout pisé. Comme moun, y a pas fait rien pour aider, jouer nos stabilités, jouer nos minimum de tranquillité, de sécurité en dedans pays, hein. C'est que nous, tout moun, nous zombifions. Eh bien, mes amis, faut que nous caler genoux, faut que nous agir, faut que nous réagir parce que nous pas carité comme ça. Nous allons passer dans l'espace libre opinion parce que faut que le débat continue. Cause politique, c'est pas seulement cause garçon. Question politique, c'est pas seulement question tigou mounier.
La politique, c'est l'affaire de tous. Haïti, c'est pour nous toutes liées. Donc, il y a nécessité pour nous chaque, pour nous chercher place, nous, pour nous chaque, pour nous jouer rôle par nous, partition par nous, dans vie politique pays. On prend des engagements qui arrivent pour porter un changement en dedans pays. On invite nous aujourd'hui, c'est professeur Sterling Civil, femme politique et également secrétaire général parti politique aidé, les engagés pour le développement d'Haïti. Nous allons faire un parler avec professeur là, m'a invité à partager vidéo. Dans l'espace, dans Libre Opinion, je dis, c'est un grand plaisir pour me recevoir professeur Sterling Civil, qui c'est une femme politique et également actuelle secrétaire générale parti politique et des les engagés et pour le développement d'Haïti. Ensemble, nous allons parler d'un sujet qui est extrêmement important. Nous allons parler du rôle femme dans la politique, la femme comme vecteur de changement de la politique en Haïti, participation yo, implication yo, qui ça yo ka, et peut-être de positif pour permettre restructuration l'État dans le moment dans vivre là. Et madame Civil, professeur Sterling Civil, c'est un plaisir pour me gagner avec jeudi dans l'émission. Comment est-ce? Bonsoir, bonsoir Madame Dorsé, bonsoir chers internautes et bonsoir à tout staff qui encadre l'émission ça. Merci déjà pour l'invitation et c'est un plaisir pour me participer dans l'émission ça ensemble avec vous. Et mon forme, et me souhaiter que vous en forme tout. Ça va très bien, nous en forme. D'accord, parfait. Nos derniers temps, ça y est là, et en Haïti et à travers le monde là, nous joignons de plus en plus de femmes qui ont participé, qui ont intégré dans la question politique, malgré différents obstacles qui ont joignent et sous et surtout dans vivre en Haïti précisément dans vivre dans une société à tendance patriarcale côté que tout bagaille c'est garçon n'a occupé majorité poste de décision yo garçon et dans parlement garçon dans différents et domaine côté que et domaine qui gagne décision politique qu'a prend n'ont pas vraiment remarqué femme là-dedans. Je ne jodi an ou même en tant que femme politique et comment ou concevoir jodi an la présence sous scène politique là, expérience ou qui ça qui t'est motivé pour rentrer dans politique là. On nous partage expérience avec auditoire là en deux temps pour nous rentrer directement dans bon question fondamentale. Oui, bon, question ça, les importantes, très pertinentes. Bon, en fait, participation dans la politique, ou même qu'on y a comme une femme qui a fait politique, les motiver par un gros tonton raison, il y a une autre raison toujours. Mais puis, gros raison, c'est parce que nous avons gagné des idées claires et précises dans ce qui a trait au développement d'Haïti, dans ce qui a trait à la politique même, qui j'aime moi-même personnellement, mon politique. Et c'est comme si mon place, moi, là, vous comprenez? Donc, lorsqu'on a fait un bagage et qu'on sentit que, ou exactement côté qu'on a supposé, et qu'on a fait exactement ça qu'on a supposé faire, je pense que, ou pas gagner le choix que continuer, que imposer d'ailleurs sous scène, notamment scène politique, là. Donc, mon homme, c'est une des raisons qui motive nous, c'est parce que l'idée pour Haïti, surtout des idées qui ont rapport à la politique, il est clair, précise, il est limpide. Donc, voilà, c'est pour ça. Je dis en la France. Oui. On met avancé. Oui, mais même qu'on est tout, c'est pas toujours facile parce que le défi a lié en pile. Et au niveau personnel, c'est vous sentir que c'est une sorte de satisfaction parce qu'on a fait un bagage que ou aimait ou passionné pour lui, mais on connaît un défi surtout dans nos sociétés comme pour Haïti. N'est pas facile pour une femme arriver à imposer, mais surtout dans cette politique-là. Et le noir prend en compte les conventions sociales et barrières que la société a dressées et puis limites que vous dressez, en fait, devant femme, il y a ce qui a trait à ascension autour sous scène et politique-là. Donc, défions en pile. Mais bon, après, me penser que, gros décision, c'est l'allié, c'est lorsqu'on sentit place ou c'est l'allié. Peu importe qu'on tourne sur en bas échelle là, on a mis ton bien en haut, mais dès qu'on est place ou en côté, c'est sûr qu'on va arriver par accéder, c'est qu'on a une détermination pour ça.
Et en parlant de défis, professeur civil, et m'a regardé, m'a fait un petit coup d'œil dans la constitution amendée, hein? M'a regardé barrière que dans la même constitution ça qui mettait pour et qui mettait contre exercice droit politique, mesdames yo. Et là, nous prenons principe constitutionnalité, par exemple, côté que yo mettait quota 30%. Yo mettez quota à 30% dans poste décisionnel yo, dans parlement, dans administration publique là, ou même comme femme politique, est-ce que pas gagne plaidoyer qu'a fait surtout et dans parti politique qui a évolué là-dedans, dans l'idée pour arriver faire et pour arriver porter un changement, pour arriver remanier et décision ça, je dis, on pense qu'il pas une décision et qui pas non et qui pas favorable pour mesdames yo. Justement, Madame Dorsey, excusez, mais je pensais, par exemple, à travers le mouvement Femmes aidées, que évidemment, nous avons fait un lancement officiel le 8 mars dernier, dans l'hôtel Montana, je pensais que c'est un point de bataille pour lui. Moi-même, personnellement, ou à mon sens, je trouvais que le quota est 30%, c'est une sorte d'aberration. Ça, c'est une opinion personnelle, pas, mais. Li permet mwen tou rekonèt ke goun gro pa ki fèt tou an se ki apre a batay mè dam yo ap menè. Paske avan nou pat gen sa. Ou kompren? Men le fèt ke ou vini avèk an kota 30%, se kom si goun sot de dezenvoltur. Ou kompren? Se an sot de... se an faveur. Se li pa akse vreman sur la meritokrasi. Paske ou lye de an kota, an lwa sou... quota et en ce qui a trait à la participation des femmes dans la politique, c'est plutôt en loi sous parité égale. C'est-à-dire que Égalité des chances. égal accès garçons à femmes en ce qui a trait à décision et prise de décision, mais aussi à poste que électif ou bien décisionnel. Vous comprenez? Donc, pensez que faut que femmes aient un choix, ça tout. Vous comprenez? Donc, c'est ça qui fait sens. Sans bataille en tout, non seulement à PC demander identité, c'est-à-dire que vous connaissez femme yo dans tout le monde, que femme yo égale tout, même gens à tout le monde d'ailleurs, que vous égale avec garçon, mais que femme yo a une possibilité pour choisir. C'est un travail que nous avons fait notamment et en dans le mouvement Femmes aidées et plaidoyer sous, par exemple, et quota ça, ouais, est-ce que pas. Par une loi sous parité, c'est-à-dire égal accès, femmes et garçons, non, par exemple, espace politique, ça. Gon l'autre aspect qui est extrêmement important et c'est toujours sujet de débat. Et il y a un monde qui considère que et mesdames, yo, femmes, yo pas de place dans la politique, c'est plus en question où c'est femmes, rester la caille, occuper petit monde, occuper mari. Il y a un gros débat qui a fait et sous ça. Et moi-même, personnellement, dans le cadre de travail, moi, et le monsieur, surtout, yo, est fille, décide de rentrer dans la politique, fille à faire politique, yo, bon tendance, et pour yo féminiser nous davantage, comme si yo, nous, comme des êtres fragiles, comme des mondes qui méritent protection, etc. Je dis à ou même en tant que femme, comment on vive et présent sous cette scène politique là par rapport avec gens masculins. Comment on concevoir, yo femme de gens qui rentrent pour venir changer bagaille, ou bien yo seulement considéré comme une femme qui décide, ok, là faire comme une autre dans la politique et puis ça passe. Comment on concevoir même personnellement? Bon, justement, il y a deux points de vue, d'accord? Et il y a des gens justement qui voient tant qu'un qui est fragile, qui fait un bagage qui n'est pas supposé faire. C'est comme si notre tête n'est pas en place. Vous comprenez? Et qu'ils ont estimé que place, c'est peut-être nos familles, nos foyers. Justement, il n'y a aucun problème avec ça. Qu'on forme décider, peut-être lier l'autre orientation, soit des femmes au foyer, soit lier l'autre orientation technique, professionnelle, tout et tout. Mais toujours est-il que femmes n'ont pas le choix. C'est-à-dire que les connaissent qu'à faire politique là, mais les choisissent faire ça, tout. Les connaissent que le cas fait ça, mais les choisissent faire ça. C'est-à-dire, possibilité de choisir. Maintenant, bien l'autre monde qui voit tant qu'on femme, qui voit tant qu'on femme, qui voulait tracer un chemin, vous comprenez? Qui voulait imposer, mais qui imposait déjà à
certaines à la société, pour ne pas, pourquoi ne pas dire ça comme ça. Et bon, et puis, mais bon, après, lorsque vous faites combinaison de ces deux points de vue, on fait rien et puis on va trouver équilibre pour avancer, parce que on a toujours joué le monde qui a toujours que place ou pas là. Toujours bien des monde soit qui fait des commentaires et qui vous des messages privés pour dire que il va penser que c'est une meilleure choix à supposer faire, il pas penser que place ou là vraiment peut-être que c'est perdu. Maintenant, c'est soit gagner en termes de choix, c'est soit gagner en termes de perspective qui pourrait permettre que vous décidez finalement est-ce que place ou c'est là que lié ou bien est-ce que place ou c'est ailleurs. Mais défi ça, il a toujours existé. Normalement, depuis, surtout dans une société qui est très machiste, je me permets de le dire comme ça, mm-hmm. et lorsque vous êtes fun, vous avez attribué à un bagaille, c'est-à-dire que vous êtes dans le cas, vous avez des avis consultatifs seulement, vous comprenez? Mais en ce qui a trait à la prise de décision, et en ce qui a trait aux affaires publiques, non, on ne peut pas supposer la peine. Mais bon, après, il faut qu'on ait une capacité pour transcender tout ça, pour qu'on avance. Non, ça c'est extrêmement important et c'est un combat quotidien que mesdames ont fait, son combat mm-hmm. quotidien. Et madame Civil, nous fait expérience oui. déjà et femmes qui dans politique, nous passé et femmes parlementaires, nous passé femmes et premier ministre, nous passé femmes dans et dans différents et dans différents postes de décision côté que mesdames ont supposé et prendre des décisions côté au gamin pas pour dire. Mais en pile femme on a regardé et au final, on a regardé au final pas vraiment ligne pas bougé, pas rien vraiment de concret qui censé et sorti pendant toute période de gouvernance. Selon vous même qui ça qui empêchait en pile froid le gain femme puisque on dit femme c'est et pouvoir, femme c'est et changement etc. Qui ça qui empêchait que décision vini dans les postes que femme yo d'habitude yo pas qu'on dirigeait mais leur jeune opportunité pour yo dans poste de décision. Ça qui ça qui empêchait yo ben résultat selon vous même. Est-ce que c'est faute de compétence ou bien c'est système politique là qui a boué et qui a boué mon yo comme ça. Bon, pas mal dit compétence parce que je me bâtis sous base que en femme qui n'ont pas c'est que les compétences pour ça. Mais oui, d'accord, ça m'avance. C'est peut-être il y a deux raisons. Premièrement, il y a faute de moyens. Deuxièmement, c'est un problème de système. Maintenant, lorsqu'on entre dans un système où c'est on dirait nous, tu es la seule personne, tu es face à toi-même, ou entre dans un système. Système, non, il est constitué de plusieurs mondes, d'un groupe de monde ou de plusieurs de groupes de personnes. Maintenant, est-ce que ces deux possibilités, soit vous identifiez avec le même groupe de monde, ou continuez à avancer comme si de rien n'était, ou bien on décide de pas identifier avec le monde, ou bien éjectons. Maintenant, le plus souvent, l'enfant est entré dans le système, est entré en, par exemple, il y a un poste qui permet de prendre des décisions concrètes pour les femmes en ce qui a trait à l'émancipation et les femmes dans la société, dans tout niveau. Mais dans ça qu'on arrive que le pagain a assez de moyens. Il n'y a pas de moyens que, il n'y a pas de moyens ambition, lui. Vous comprenez? Mm-hmm. Donc, ça veut dire que lui est obligé de faire step back. Il n'y a pas qu'à avancer, il n'y a pas qu'à reculer tout. Il est seulement à suivre. À suivre, à avancer. Jusqu'à ce que le temps passe le sommet. Ça qu'a arrivé tout, c'est parce que lui dit, bon, écoutez, là, moi-même, qui t'a gagné ascension, qui t'a atteint son bon, que moi-même, débattre moyen, du point de vue personnel. Pas vraiment gain trop effort parce que si mon yo qui t'a contraint moi son système que lié autant moi-même moi débrouiller me sauver tête moi si gain de toi l'autre monde qui a été au avancé même pas moi fait plus parce que justement c'est soit moi conformé et que m'avancer ensemble avec eux ou bien que décider camper en rebelle moi dit que c'est pas comme ça ça doit faire et puis ouais j'ai comme dans le système là. Donc, c'est comme ça que nous marchons jusqu'à ce que nous ayons un groupe qui font sorte de faisceau et puis bon, qui peut changer ça. Mais le combat, le secret même du combat il réside dans la consistance. C'est consistance qui peut faire que nous arrivons à gagner une bataille. Et non seulement consistance, mais c'est aussi un but commun. Il faut que nous tous nous d'accord que la bataille pour une seule cause. Ouais? Sans déviation. Et en parlant de mouvement femme aidé, parce que mouvement il est là et structure politique là il est là pour aider, il est là pour restructuration, il est là pour aider et pour changement etc.
Et objectif mouvement, c'est arriver permettre intégration femme dans politique, arriver permettre à ce que mesdames yo même yo prend des engagements politiques pour occuper à l'avenir des postes décisionnels dans le pays. Et je dis à comment ça y est, est-ce que il y a des formations qu'a faites pour mesdames yo, pour femmes yo, est-ce que il y a des suivis qui fait, est-ce que et choix femme ça yo, c'est pas catégorie, comment ça y est, comment organisation y est, comment nous organiser nous dans le mouvement pour permettre que des plus femmes qui intègrent et mouvement et précisément plus femmes qui intègrent mouvement politique là. Oui, justement, en dans le mouvement Femmes Aidées, un bon travail continu qui a fait, et mesdames et messieurs travaillent en pile, surtout staff qui coiffe le mouvement Femmes Aidées, et pour voir comment ils ont capoté assistance plus, et comment est-ce que mesdames et messieurs ont participé plus, fait un dévoile, parce que bon, mon ami qui a pu les voir, elle pas qu'arriver côté les assurances européennes, mais lorsqu'on fait un groupe, ou si tu es un groupe, c'est sûr qu'elle peut aller plus loin. Donc, notre travail sur ça, et continuellement, pour que le mouvement familial n'est pas seulement été en mouvement, et de fait, n'est pas seulement en mouvement, parce que là, nous travaillons sérieusement, mais laisser un vecteur qui ramène le gouvernement ou bien l'État, ou bien pourquoi pas, un monde là, reconnaître que les femmes sont tout aussi égales que les garçons, mais qui permettent ou qui accompagnent mesdames, yo, à ce qu'il y a fait la bataille que vous menez. Ainsi, et inciter l'État tout en ce qui a trait à l'implémentation de quelques politiques publiques, mais qui est inclusive, c'est-à-dire qui gagne mesdames en dedans et qui prend en considération les défis quotidiens mesdames, yo, situation de vie mesdames, yo, tout et tout. Maintenant, est-ce que le fait par catégorie, on ne peut pas dire le fait par catégorie, bon, dépendamment de dans le sens que les questions y a, mais c'est un mouvement qui est inclusif. Toute femme là-dedans. D'ailleurs, dans le mouvement, dans le lancement officiel, soit conférence, nous avons des femmes qui étaient sorties de tous côtés. Premier monde qui était lancé le mouvement officiel, là, c'est-à-dire premier discours, là, c'était une femme, voyant que nous gagnions tout, qui était sortie sur les nôtres. Il était tout pour un moment hein, pour te parler de situation femme, mais au milieu défavorisé. C'est-à-dire que lui expliquer, lui présenter fait. Nous toujours à travail à toute femme, net, toute femme, dans n'importe qui côté le sorti, n'importe quel niveau, parce que nous considérons que tout le monde nous égale en dedans aidé. Et pourquoi pas en dedans pays à tout. C'est ça que nous avons supposé. Ben oui, tout à fait. Et l'homme parle de catégorisation, c'est pas une distinction et selon la personne, on va prendre les statuts, okay, non. Okay. C'est par rapport avec est-ce que l'ICENTRE est dans le département ou bien c'est tout pays, hein, et mouvement, mesdames, nous allons chercher yo, pour nous rentrer yo, dans la structure, hein, pour éduquer, yo, former yo, et puis pour nous avancer avec eux. Justement. C'est un mouvement, excusez madame Dorsey, dans tout petit point, hein. C'est un mouvement qui joue 8 mars là où j'ai un mouvement dans tout le département. Okay. Où j'ai dans l'Ouest, où j'ai Antigonite, où j'ai Nord-Ouest, où j'ai dans NIP, tout côté net mobilisé avec le mouvement familial. C'est-à-dire que antenne et mouvement familial, ça, même gens qui centralisent dans l'Ouest, mais on a joué antenne de tout côté et qui fait même mouvement. C'est-à-dire que on peut même dans l'autre département, c'est à peu près le même sujet qui débat, c'est à peu près le même format qui est gagné dans l'autre département. C'est-à-dire que nous sommes très uniformes par rapport à ce mouvement. Et dans le moment là, professeur civil, et parler de politique en Haïti, c'est faire référence avec un système qui sale, un bagage qui sale. C'est comme ça que nous avons presque concevoir politique en Haïti. De pouvoir parler de politique, non, tu bagages sale ou pas rentrer là, non, tu bagages ça pas pour vous, etc., etc. Donc, par rapport avec situation ça, par rapport avec niveau dégradation pays en journée aujourd'hui, là, qui sont pensés que mesdames yo ka fè organisation de femmes yo et mouvement familial, qui ça yo ka fè journée aujourd'hui là et pour aider à résolution crise et crise ça nous vient qu'à prolonger société ya, et crise en multidimensionnel ça au conscient de lui on connaît lui déjà qui ça mesdames yo ka fè. Mon âme sans ça me garder pour mes amis, c'est que politique là les sales, c'est ça que nous avons toujours entendu.
Et ça, c'est parce que les gens qui vous ont fait le propre tout, bon, majorité alors, parce que les gens qui sont propres qui la donnent, notamment le groupe que j'ai, l'autre monde que je connais, toute l'autre partie politique que je connais qui respecte les têtes, les propres. Mais bon, après, tant que vous reculez vous-même, c'est tant que ça qu'on pas souhaité venir, c'est les cap venir, la prendre surface. Parce que la nature, elle a horreur du vide. D'accord? Maintenant, ça en forme les cafés, c'est impliquer. C'est impliquer dans la politique, c'est participer là-dedans. Parce que ça jusqu'à ce que vous battez en cause. Et jusqu'à ce que vous avez un idéal. À la minute que vous avez un idéal ou une cause, écoutez, que politique là, les salles, que l'audio, alors les salles, vous pensez que ça qui a plus important, c'est qu'est-ce que, ou même au cas où free, pour permettre que, par contre, l'image, ça n'est pas là encore. Parce que ça n'y est pas mis en forme, qui gagne une licence, qui gagne un certificat, qui gagne une maîtrise, qui gagne des doctorats, mais est-ce que, et papier ça, ou diplôme ça, ou, ce sont des diplômes de complaisance? Pas sûr. C'est des gens qui bataillent, qui ont dit pour ça. Donc, lorsqu'on finit et dit pour faire ça, il faut qu'on passe dans la phase pratique. Là. Et passer dans la phase pratique, là, dans le cadre pour sauver un idéal, pour atteindre un idéal, bah, ce n'est pas une cause qui est plus noble que ça. Bien sûr qu'on a besoin d'un monde qui dit que peut-être place ou pas là parce que la politique n'est pas faite pour nous, trop sale. Jusqu'à ce que vous-même vous décidez. Vous décidez que nous sale, vous décidez que nous pas sale. Et par rapport je ne veux dire là avec gouvernement de transition qui vient là, pas gagné un président qui démocratiquement élu, nous totalement en dehors de la constitution et nomination à fait et gros paquet de décision qu'a prend là, c'est en dehors de la constitution. Et je ne veux dire là, et n'a pas parlé de femmes comme vecteur de changement, n'a pas parlé de femmes qui t'a supposé impliquer yo participation rôle femme yo dans politique là. Et est-ce que nous ca espérer dans prochaine élection qu'a bien pour faire dans le pays hein, et par rapport avec travail que mouvement aidé a fait là souterrain, est-ce que nous ca espérer y a quantité de femmes qui pral prendre décision ou bien nous pral former, nous pral motiver qui pour aller dans l'élection, qui pour venir et peut-être changer bagaille Jean-Louis là. Est-ce que nous ca espérer ça? Bon, moi-même, prends en charge pour me dire que oui, nous avons espéré ça parce que nous travaillons pour ça en pile. C'est d'ailleurs une attribution mouvement formé politique. Mis à part accompagner mesdames yo dans combat ça, mais c'est motivé aussi, aider à comprendre vraie place yo. Vous comprenez comment est-ce que c'est fondamental pour que vous participiez et impliquiez dans les affaires politiques du pays. Donc, je pense avec le travail ça, que nous allons faire, c'est sûr que dans les prochaines élections, nous avons gagné pas mal de femmes qui ont décidé, mais aussi qui ont gagné suffisamment de maturité pour que vous participiez dans un processus électoral. Donc, ça, c'est clair. Et bon, nous espérons ça parce que nous besoin femmes et pour changement, nous besoin femmes qui ka impliqué, nous besoin femmes qui gagne et bagage vraiment, non seulement qui gagne expertise, qui gagne compétence, mais tout qui a gagne bonne volonté, qui a fait preuve de bonne foi, qui pour venir aider changer ça dans la vie journée jeudi en là comme et comme fléau, comme problème par rapport avec décision qui a prendre dans l'état qui pas vraiment et pour tes résultats. Et madame Civil, je dis, nous avons vécu et crise sécuritaire dans le pays. Gang fin prend pays, bandit et fin occupé principal axe routier dans le pays, moun pa gen liberté de circulation réellement, son casquette chinois pour aller vaquer avec activité ou. Et c'est première fois nous avons dit là, nous avons une femme dans tête ministère de la justice. Et qui censé gagner un pouvoir de décision. Et par rapport aux gens niveau insécurité en là l'an dernier jour qui se passé au 6 mars précisément, l'itéron note que ministère de la justice à sécurité publique mettait dehors côté que il y aura appelé peuple haïtien
droit yo gagné pour défendre tête yo, la légitime défense. Yo vinn avec li et ça font paquet parler, on paquet tolé et gen moun ki wèl comme incitation et comme incitation à la violence, gen moun ki wèl comme appel à la guerre civile, gen moun ki wèl comme manquement et fondamental que autorité et judiciaire yo fait, etc. Mais ou même personnellement, comment on vive et crise et sécurité là en dedans pays? Et si toutefois tu voulais partager opinion par rapport avec décision ça qui prend dans le ministère de la justice, c'est qui ça le tapis? Bon, déjà pour décision, je pense que pas vraiment pour le système soumis, comprendre, mais comment moi créer sécurité là? Il n'y a pas longtemps que tout à l'heure, d'accord, quelques heures, il m'a couru pour aller acheter un médicament. Et puis, la cour pour me tourner, le temps pour machine, m'a monté en timon, mais mon équipe timon, c'est vraiment timon, hein, qui sorti l'école, qui a un uniforme, c'est primaire, d'accord. Donc, qui a sorti l'école. Le temps pour machine, m'a pris élan pour le monter, et moi, m'a passé beaucoup de timon, il y a tout le couru. Et là, on courait pour passer exactement devant la machine. Parce que qui ça qui n'a tête Simonio? Notre tête Simonio, c'est que si la machine n'a ralenti beaucoup de temps, c'est kidnappé, kidnappé. C'est-à-dire, lorsque ça arrivait, la seule chose que me dit tête moi, nous pas supposé faire un pays ça. Simonio, à l'âge que vous avez, n'a pas capoté grosse poids ça sous le dos. Puis, toi, innocent pour ça. C'est-à-dire, même si mon qui est dans la rue, qui est à l'école, il est à l'école traumatisé, il sorti traumatisé, il vit avec traumatisme. Ça. Donc, même qui est niveau crise, là, est maintenant, face à une crise de ce genre, parce que lorsqu'on est en situation de crise comme ça, faut réaction ou décision politique, gouvernementale, est proportionnelle à la crise. Là. Tout à fait. Maintenant, si que on parle en décision ou parler de légitime défense, vous bien entendu ne pas prononcer ça, même penser que c'est pas meilleure décision. En tant que gouvernement, l'État, penser que il y a d'autres décisions qui sont proportionnelles à la situation ça, parce que ça n'est pas proportionnel. C'est comme si chacun pour soi. Mais on est bien d'accord que niveau égalité, ça n'est pas existé dans la société. Là. Tout à fait. Niveau de défense que nous gagnons, ce n'est pas même niveau ça, de défense ça, alors nous gagnons. D'ailleurs, la situation que nous vivons là, pas qu'au niveau de défense qui a permis que nous ayons en vie si que nous ne sommes pas d'accord. Et par rapport avec des bandits lourdement armés, comment de simples citoyens n'ont pas les droits pour. Comment, justement? Capable de parler de légitime défense, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens parce que c'est comme si on va passer le peuple à la bêtise. On dit mon cap sous l'école et des parents que je côtoie tous les jours, capable de dire que moi-même, je suis peut-être pas explosé parce que je ne suis pas content de ce monde-là. Parce que ma tête, l'idée de ne pas content de ce monde-là, c'est que le plan. Ou sortir dans la rue là, on va sortir obligé de garder mon lacaro pour une dernière fois. C'est un quoi garder pour une dernière fois. Si vous blague ou bail ou bali, le tête ou bali pour une dernière fois, au moins, mon avons souvenir au conseil de vous. Parce que pas qu'on est soit tout. Yon peuple, pas qu'à vivre comme ça et puis plus parler de légitime défense. Là, c'est des décisions qui doivent prendre. Et là, il demande une maturité politique, mais qui est extrême, qui comme si c'est le gouvernement. Attribution, d'ailleurs, premier bagage ou bien pour faire, c'est assurer sécurité population. C'est première attribution qu'on gagne. Maintenant, si on faille à ça, c'est que, bon, tout bagage, on faille dans tout bagage. Ces écoliers-là, on ne peut pas dire pour le porter des armes sur eux. On ne peut pas dire en place libre pour le mettre dans la valise, c'est wash pour le mettre pour le tirer sur eux. On ne peut pas dire ça. Mais de qui légitime défense n'a pas l'air?
Et son triste réalité dans le pays, hein, parce que crise sécuritaire, nous avons un problème d'insécurité, gang cap terroriser la population. Et moi-même, personnellement, je pas un côté volonté, volonté manifeste, je pas un côté lié, pas bon côté acteur pour résoudre le problème. Là. Et que l'on veut ou non, il faut qu'il y ait une élection qui fait, il faut qu'il y ait une sécurité qui vient dans le pays, en rétablir sécurité pour faire une élection. Ils ont mis de manière sine qua non sécurité élection. Donc là, nous sommes censés, nous pour aller à la va-vite, et nous pour aller à contre-sens, parce que yon sa yo di ki mache avec l'autre là et qui c'est moyen pour permettre que yon fait et puis l'autre là et joue un résultat, yo pas vraiment travail pour sa bien de leur pays. Et avant dernière question, professeur civil, pour me quitter ou aller, et jodi an là, par rapport avec le niveau, par rapport avec le pays, et là, par rapport avec la crise qui vient de dans le pays, et est-ce que vous avez quoi ou bien, pas qu'on soit parlé dans nos structures politiques, est-ce que nous-mêmes, en dedans, structure là, ou bien nous-mêmes personnellement, est-ce que nous croyons que l'élection possible dans ce moment-là, avec l'actuel gouvernement qui l'a? Bon, à mon sens, je pense avec l'actuel gouvernement qui est là, et pour parler d'élection, il faut gagner un minimum de confiance. Et nous face à un gouvernement qui est impopulaire et qui n'est pas responsable, qui est indifférent par rapport à la situation ou à la crise humanitaire que le pays a à connaître, je l'ai dit. Hein. Élection, vraiment, et pas nécessaire avec le gouvernement, ça. Est vraiment mal vu. Ou organiser une élection avec le gouvernement actuel, écoutez, c'est même bagaille qui va être là. Et ce sera des élections contestées, comme d'habitude. Élection contestée. Déjà, est-ce que vous avez des possibilités pour voter? Moun qui peut aller voter au CPACAP, parce que faut qu'il y ait un minimum de sécurité. Moun n'a qu'à sortir qu'à aller voter, faut qu'on ait s'il sortit la voter, la qu'à rentrer. Est-ce que la qu'à rentrer? Et c'est clair et c'est flagrant que le gouvernement n'a pas qu'à assurer et sécurité à la population. Donc, processus élection, même penser organiser l'élection, il n'est pas possible. Même le fait de le penser. Penser seulement à organiser l'élection dans le pays là, avec ce gouvernement, je pense que il n'est pas possible pour penser ça. Parce que justement, il implique trop de bagailles. Il implique sécurité, il implique confiance, il implique crédibilité, ça que le gouvernement actuellement va inspirer compte tenu du fait que les sont gouvernement impopulaire. Organiser une élection tout comme Marjorie tout à l'heure, la parole mettait nous dans la même situation que nous tenions, que nous y sommes aujourd'hui, des élections contestées. Et qui dit des élections contestées, c'est sûr qu'on va y passer 2-3 ans avec des manifestations, des gens qui pas comprennent, qui a dit que c'est pas, voilà, c'est pas bon résultat que on va et tout, bon, écoutez, passez tout vous, donc à nous, on toute jeunesse ou passé, non, dans des histoires futiles et que, ou pas, au final, faire rien avec eux, vous comprenez? Donc, on pense que c'est la meilleure chose et la meilleure décision serait que le gouvernement actuel est d'accord que les faillit à mission, les faillit à devoir, les font retrait total, les retirer tête pour les bypass avec nouvelle structure et monde tout, pourquoi pas, qui a possibilité pour que vous menez un peuple, un pays à l'élection. Il y a un peu les amis qui sont dans la diaspora qui vraiment ont envie rentrer en Haïti, venir participer dans vie politique pays, venir participer et dans prendre décision politique pays. En plus fois, il y a des discours que mon avant comme exclusion haïtien qui vivent dans communauté diaspora, yo pas gagné droit de vote, yo pas ca candidat, yo pas ca venir participer dans vie politique pays. Jodi an, et en tant que femme politique et en tant que et secrétaire général parti politique aidé, et qui ça
Qui message ou gagne et précisément pour chaque grand haïtien de manière générale pour chaque grand haïtien et précisément pour haïtien ça qui dans communauté et diaspora qui ont même toute volonté ou toute envie yo c'est ouais à participer dans la vie politique pays yo mais pour raison pour l'autre yo pas gagné opportunité. Bon, m'a dit que possibilité en là. Possibilité en là. Mais difficile, mais possibilité en là. Je me rappelle lorsque je me dis que les affaires consulaires, bien sûr, dans le ministère des Affaires étrangères, tu as un projet comme ça avec le président Jovenel Moïse pour, en ce qui a trait pour vouer des matériels pour permettre que la diaspora les participer, tout au moins informer, participer de manière active ou pas. Et non, processus électoral pays. Des gros projets comme ça, et nous t'es jusqu'à présent à plaidoyer pour que le projet ça les continue, ça qui permet que la diaspora les impliquer normalement dans ce qui a trait aux élections. Et même plus, en fait, c'est pas seulement élection, mais c'est tout ça qui concernait pays. C'est d'ailleurs un facteur que aider les prôner, les encourager en pile et poser des actions man, et c'est faire en sorte que diaspora implique et encore plus dans la cause des pays. Là, nous gagnons des CDD, nous gagnons CDD diaspora et des CC. C'est-à-dire que non seulement nous gagnons un comité directeur diaspora, mais nous gagnons des sous-comités. D'accord? Mm-hmm. Et dans l'autre État, dans l'autre pays, pour gérer, pour en fait permettre que ressortissants et nous yo impliqué yo gagne un espace pour lorsque yo gagne des idées lorsque yo gagne des avis pour que yo fasse passer pour nous discuter normalement. Donc nous même au sein de aider nous mettez ça, nous travaille en pile pour nous mettre des dispositifs qui pour permettre que diaspora les sentir inclus, pas seulement sentir que les inclus, mais de fait les inclus vraiment en ce qui a trait aux décisions ou bien informations qui concernent les pays. Donc, moi, je ne peux pas dire que le travail n'est pas en pile, n'est pas petit, alors, désolé, n'est pas petit, son gros tonton travail que lié, mais il a demandé consistance, tant que j'en ai dit tout à l'heure. Il a demandé consistance, il a demandé un projet, il a demandé une équipe et il a demandé un engagement. D'accord? Mm-hmm. Donc, ou qu'on projet, intégrer nos équipes ou engager pour cause là ou engager pour la bonne cause. À la minute que c'est un idéal, c'est une cause qui est noble, engager et c'est sûr que va finir par un résultat. Et résultat, c'est qui ça va pied, c'est ouais une diaspora qui participe de manière effective dans la décision qui était politique, que sociale, économique, pays. Donc, à bien comprendre, aider les pas seulement Haïti, la chercher depuis ce côté qui est haïtien, les là pour regroupement en fait et pour sensibilisation en fait, pour nous arriver pour un bagage qui grand, qui a aidé à changer le pays. Donc, c'est bien, c'est très bien. Absolument, madame. En parlant de président Jovenel Moïse, et moi, on est ancien premier ministre Claude Joseph, qui est membre structure aidé, que vous-même, vous êtes secrétaire général. Et là dans lui et me connais il y a bataille en pile pour justice pour président Jovenel Moïse me connais sous bien temps informé sur ça gagner et un juge fédéral américain qui décidait mettre qui décidait et comme s'il muselait avocat il prend une certaine forme d'interdiction que il mettait pour avocat qui sous dossier avocat accusé yo pas et communiquer information etc etc donc ou même personnellement et structure là comment nous ouais démarche pour justice président Jovenel Moïse là dans le moment bon nous même nous croyons en justice d'accord nous croyons en justice et pays nous aussi faible en quelque cas et nous croyons tout dans la structure internationale ça qui t'a fait nous qui t'a souhaité ou bien montré qui t'a montré volonté pour que que président Jovenel Moïse les joigne justice nous était croyons qu'il y a besoin de justice et par principe
Et il faut qu'on bataille pour ça, parce que ce n'est pas normal qu'un président l'ait assassiné, et assassiné de cette façon qu'il faisait. Et nous, on était convaincus que justice l'a fait quand même. L'apprentant, et de fait, l'apprentant, mais peu importe ça qui arrivait combien, demain ou après-demain, le fait est, c'est que le président Jovenel Moïse l'a besoin de justice quand même. Tout à fait. Et n'a bataille pour ça parce que, et pas gagné aucun monde, et encore moins son président au pays qui méritait pour la ville passer comme ça et pour gagner une quantité démagogique à faire dans le dossier pour entraver le déroulement du dossier. Donc, ça est important. Et le mot de la fin, professeur civil, et c'est qui ça lié? Bon, le mot de la fin, c'est toute femme. Et engagez-nous. Et participer normalement dans la politique, dans affaires politiques, sociales, les pays, non, économiques, tout d'ailleurs. Défi, il n'est pas facile, il est en pile, il est effrayant parfois, et pour ne pas dire toujours, mais avec consistance. Nous avons besoin de consistance. Le combat à mener, là, nous avons surtout besoin de consistance avec engagement. C'est toujours parler de consistance, le sens du sacrifice et l'engagement. Bon, c'est si nous prenons, c'est sûr que nous finissons par gagner la victoire. Et pas seulement les femmes, tout le monde net en général, si nous avons tenu compte de crise, et pays a subi qu'on y a. Nous avons besoin de consistance dans la bataille, nous avons besoin de sens de sacrifice et nous avons besoin d'engagement pour nous aider à Haïti sortir dans sa lumière. Et construire tout d'ailleurs dans la dimension histoire. Donc, merci beaucoup à Madame Dorsey pour l'invitation. C'est vraiment un plaisir de pouvoir participer ensemble à l'émission. Merci à tous les internautes qui attendent nous. Et vraiment espérer que ce n'est pas votre dernière fois. Donc, encore une fois, et merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie, professeur civil, et pour disponibilité, parce que vous êtes là avec nous pour nous parler de femmes, pour nous parler de l'importance de femmes dans la politique, là, et pour nous parler de différents autres points qui sont vraiment importants pour nous tirer dans l'émission aujourd'hui. Là. Et ce n'est pas la dernière occasion, il y a un paquet d'autres occasions, côté que nous avons toujours continué à parler pour nous débattre ensemble sur différents points qui sont extrêmement importants pour nous aider à nous comprendre. C'est un véritable plaisir. Merci en plus. Merci beaucoup, c'est un plaisir pour moi tout. Bye bye. Avec nous, c'était professeur Sterling Civil et femme politique, secrétaire général parti politique aidé les engagés pour le développement d'Haïti. Donc, avec lui, nous sommes Wall femme yo gagné dans politique là, Wall femme yo ta supposé jouer dans politique là, la femme comme vecteur de changement dans la politique en Haïti, participation et implication. Nous en pile qui tout temps dit Yannick, m'pa jamais tendé femme parler dans émission, m'pa jamais tendé et mesdames yo vinn parler de politique pays. Eh bien, nous elle jodi an, gagné femme qui brave, gagné femme qui jump, gagné femme qui pas peur affronter et réalité politique là, vie politique là. Qui paraît pour prendre des engagements. Parce que ça n'a vu aujourd'hui en de la société, hein, c'est pas l'affaire des hommes seulement liés. C'est pas question et garçons seulement dans le poste décisionnel, garçons seulement dans notre pays, dans le parlement, etc. Et oui, c'est vrai, il y a une problématique quota, et principe constitutionnel, ça, à côté que, et 30% femmes, et dans le service public, là, 30% femmes seulement, et dans l'administration publique, là, dans le parlement, il y a bien siège dans le parlement, etc. Non. Je dis, là, combat, il doit aller au-delà de 30%, parce que nous, en pile, d'ailleurs, nous plus que 50% femmes en dedans société haïtienne, c'est nous plus que 50% femmes, mes amis. Imaginez nous 30% femmes. Et d'ailleurs, c'est pas vraiment toute femme qui décide d'impliquer dans la politique pays. Si nous avons gardé ces derniers temps, si nous avons gardé dans les 48e, 49e, 50e législature qui sont passées là, dans le Parlement, combien de femmes vraiment qui étaient occupées des sièges dans le Sénat République là? Combien de femmes qui étaient occupées des sièges en dedans et chambre des députés? Combien ont été? Renforme!
Renfòm nou jwenn ki okipe de pòs desizyonèl an dwe dan peyi a. Renfòm nou jwenn nan parleman. E sa k fè batay pou implikasyon fòm yo, pou partisipasyon fòm yo nan vi politik peyi a li important. Pou fòm yo kontinye pran des angajman, se ekstremèman important. Donk nap kompran nesesite ki genyen, non sèlman an tanke fòm ayisyen, an tanke fòm ki konstate ki a viv au kotidyen diferan problèm ke sosyete a fè fas avèk li, problèm estrukturel, problèm politik, problèm ekonomik ki genyen, ou menm ki gen kompetans, ki gen ekspertiz, ki gen bon volonté, fò ou entègre nan vi politik pe yo. Oui, yo toujou dil ki politik an Ayiti, se bagay sal, fòm pa fè politik, etc. Men si nap gade kantite a abu fòm yo ap subi an dan sosyete a, si pa gen organizasyon fòm, si pa gen de fòm ki regroupe yo pou denonse sa k'ap fèt yo, nap viktim douvwa, oui? Nap viktim douvwa pòske ke nou pa gen moun vreman k'ap pale pou nou k'ap defann nou, e nou fas nap viv nan sosyete, nan sosyete matris, nan sosyete kote ke se gason, gason, oui gason yo gen plas yo, ou nou pa ka viv sa gason, gason yo gen plas yo, men n'empêche que nous supposé défendre parité hein que ce soit 50-50 question égalité hein égalité et des chances égalité de sexe etc. nous supposé défendre toute bagaille ça yo parce que journée jeudi hein et gon artiste haïtien gon chanteur haïtien Jean Rousel moi qui font musique donner le monde aux femmes confie-leur et cette terre il n'y aura plus de guerre etc. bon pas il n'y aura plus de guerre là bon pour l'interrogation mais on nous fait expérience avec femmes. On nous fait, c'est pas si femme nan a fait politique, c'est pas un cadeau nous fait femme nan rentrer dans politique. Parce que si on moun journée jodi on c'est femme ou rentrer dans question politique en Haïti, sou pa gen compétence, ou gen compétence, yo vle meto de, yo vle meto sou côté, yo vle écarté. Allez voir si ou tan ou abolotio, y a utilizo. Au final wap marginalize, y a vous rejeter. Oui, c'est ça que fait compétence sans li important. Expertise en li important, mesdames, forme tête, nous coin dans tête, nous craser bête nous parce que si nous besoin défendre pays nous, pas quoi c'est on comprendre c'est non et matu vu etc. Mais c'est avec connaissance, c'est ça nous apprendre nous ca mettre à la disposition de pays hein. C'est ça nous apprendre nous ca mettre à la disposition de société hein, pour nous changer bagaille. Donc c'est un réel plaisir, c'était vraiment un plaisir pour me te gagner avec moi professeur Sterling Civil, nous parler ensemble, nous parler de pays hein, nous parler de politique et vraiment m'a encourager nous ou même qui ces femmes n'importe côté on en diaspora ou en Haïti, en nous regrouper nous. Mouvement femme et délit là et prend contact informé au sac qu'a fait là si c'est avec qui on décide d'intégrer nos politiques là si c'est avec une autre structure faire les parce que nous besoin femmes nous besoin faire voir nous passer et j'aime de dire dans vraiment son émission c'est vraiment moi même qu'a fait travail ça en pile femme ça dit monsieur surprotégé vraiment et comme si c'est du jamais vu. Le on femme a fait politique, yo on femme et campé à bataille pour pays, ça il paraît bizarre. Il paraît très bizarre. Mais nous là, nous pas bail vague et faut que nous continuer bataille là, faut que nous continuer porter green pierre par nous, faut que nous continuer faire voir nous passer pour nous aider dans changement pays noir. Haïti pas comme ça, Haïti pas carrément comme ça et jamais au grand jamais paysan, li pas prêt comme ça. Gen moun ki pare pou batay, gen moun ki pare pou mete konesans yo servis de la kolektivite, ba yo chans yo. Nou menm ki la ki pa pregle anyen nan tèt l'Etat, ki pa pregle on mèd, fòk a un certain moment, fòk nou wè nesesite ki gen pou nou ale. Fòk nou wè nesesite ki gen pou nou bay peyi an chans. Fòk nou wè nesesite ya. Donk, se la, map meton bouta emisyon pou jodi an, m'espere ap genye an pil lot okasyon pou m chèche fòm vin fè mesdames yo parler de politik, parler de peyi yo et parler de implikasyon de engagement y ap pran pou yo lot Ayiti. Randevou ap kase pou dimanche et deja m'ap anonse nou emisyon dimanche an, invite nou se artiste. Pa bezwen di nou ki es, men son artiste ki pase de prezantasyon, ou pa di ki son artiste avin fè nan emisyon, li gen plasi. Parce que artiste yo se des influenceur yo, hey. Si yo se influenceur, donc yo gen mo pa yo pou yo di, nou sa ka pase an dedan peyi an la, nan kriz nou gen la, nou gen kriz politik, nou gen kriz sekurite, an peyi pa machin, yon pa fonksyonne nan peyi an. Donc yo gen mo pa yo pou di, an tank artiste, ki sa yo, ki,
Comment vous pouvez contribuer? Comment vous pouvez conscientiser la population pour aider le pays à sortir de la crise liée là, aujourd'hui? C'est extrêmement important. Parce que les gens, ils ont un danger, ils ont un douceur. Nous, tous les Haïtiens qui vivent en dedans du pays, là, nous avons du feu, oui. Nous avons un problème, oui. Il y a des gens, malgré leur ouais problème, dans son monde, il y a des gens qui vous disent, ah, et Yannick dit me lever là dans lui, hein, bon, me lever. Ah, et professeur Cyril dit me lever dans du feu, oui, bon, me lever, bon, m'aller, il n'est pas bon, côté m'y a le babo. Il y a des gens, c'est comme ça, oui. Il y a des gens, c'est conscientisation, il y a des gens pour venir faire, oui. C'est ça y a plein, c'est signal là y a plein pour voir et bah yo et puis pour eux-mêmes pour réagir. Ça la vie je ne je dis en le pays en critique. Les critiques. 10 ans, 5 ans de cela pays a pas de comme ça. 10 ans de cela pays a pas de comme ça et ça la vive là. Si nous quitter fin dégénérer net non mais nous qui ça n'a dit dans 5 ans. Qui ça n'a dit dans 10 ans. Donc c'est tout secteur yo. C'est toute catégorie haïtien yo n'importe côté yo. Ou important pour moi dans l'émission. Pas de distingue, pas de négan, ou négan, pas de ou c'est mulat, ou c'est négan. Non. Distingue, ça, c'est nous dans la société qui créé. C'est nous créer. Et nous tellement prenons plaisir dans créer différence, dans créer fausse, dans fouiller tout entre haïtiens. Journée, jeudi, c'est ça qui contribue dans la vie là, comme insécurité, comme violence qui passe dans le pays. Ça fait kabout, pas ça fait mouton. Ou monte mieux, mais hauteur. Ça qu'a passé de yon a pas inquiéto, ça qu'a passé bon la ka yon pas inquiéto, eh bien, pas résultat. Gen moun koun yon ki pa même ka di, oh, je vis à Pétionville, je vis à Frère, oh, je vis à Thomasin, je vis à Fermat, ki kote, gen bagay sa yon encore. Parce que nous quitte bagay yon dégénéré net en bas, et puis koun yon monte, le vin éclate dans figino. Donc, qui est extrêmement important pour nous chercher, et pour nous chercher acteur yon, li te met pas acteur et politique. Depuis voir qu'a passé, depuis qu'a parlé, depuis moun ka tande, li important pour parler avec les compatriotes pour nous voir comment nous ka aider résoudre crise multidimensionnelle na vive en le pays. Mes amis, m'brale m'ap kite nou la. M'ap kite nou la précaution pas ka pou mettre coq pour veiko. Weekend nan li commencé mes amis, pas boire. Si n'a prend volant, pas prend volant pendant n'a boire alcool. De bagay sa ou pas amis. Faut que je nous calé pour nous veiller kidnapper, pour nous veiller bandi dans la rue. C'est extrêmement important. Merci tout le monde, merci à vous même qui t'a regardé vidéo, qui t'a regardé émission. Rendez-vous en cassé nan yon l'autre vidéo, pas oublier. Sou pourquoi abonner, activer petite cloche notification là sous tac 509. Tout haïtien connecté, les poussés haïtiens faut qu'on connecté. Dernière présentation, c'est toujours même Yannick la même voix, on n'est pas changé. Merci tout le monde, à très bientôt. Mes amis, attendez ça. Où c'est haïtien, où remet pays, et puis on agit. Mon éditorial. Entre désespoir, de machination politique et l'ennemi. Mon éditorial, vous dit tout. Mon éditorial. Et bien sûr, mon éditorial, si je passe analyse, débat contradictoire sur tout détail sociopolitique qui domine le pays d'Haïti. Mon éditorial. Sauf si le dit pour y faire vendredi, depuis le fait 2 heures, que chez Chanel par là, pour qu'à bien informer avec Yannick. Mon éditorial. Nous prenons le débat, c'est toujours même Yannick, même voix. Oh yeah.